الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون جزاك الله خير الحمد لله ما شاء الله MAO, l'organisation de la jeunesse musulmane de l'Afrique de l'Ouest et de son 7e congrès
Nous avons l'honneur de vous présenter ce soir notre invité, notre conférencier, Youssouf Hassan Diallo, venu directement de l'OCI, pour participer à cette rencontre internationale et surtout donner plusieurs conférences et des émissions dans les médias. Ce soir, il va nous développer le thème sur la contribution de la jeunesse musulmane . Le thème de cet après-midi, de ce soir, que notre frère Cheikh Youssouf Hassan Diallo va nous présenter tout à l'heure, quelle contribution de la jeunesse musulmane pour le développement socio-économique de l'Afrique de l'Ouest. Et je profite de l'occasion pour vous dire, même c'est le thème général, le thème central de la rencontre du Niger, de l'Ojomao pour le 13, 14 et 15 décembre 2013. Donc le programme de ce soir va avoir deux parties. La partie d'abord exposée de la conférence et suivra ensuite, Inch'Allah, la partie questions-réponses. Donc nous allons recueillir ici à la table les questions écrites et nous allons, Inch'Allah, passer pour la réponse que le conférencier, Inch'Allah, voudra bien donner. Sans tarder, nous allons passer la parole à notre frère, notre invité, Cheikh Youssouf Hassan Diallo, pour sa conférence. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalam. Amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Par la grâce de Dieu et ses faveurs infinies, il nous a permis donc aujourd'hui de nous retrouver une deuxième fois dans cette superbe mosquée de Niamey pour nous entretenir avec cette opportunité qui nous est donnée dans le cadre de la rencontre de la jeunesse de l'Afrique de l'Ouest en ce 7e congrès ordinaire de l'OGMAO, l'Organisation de la jeunesse musulmane en Afrique de l'Ouest, et le séminaire de formation qui s'en est suivi ou qui va s'en suivre. Dieu nous donne donc l'occasion de nous retrouver pour parler de ce thème central de la rencontre, un thème, à mon sens, extrêmement important, qui est intitulé « La contribution de la jeunesse musulmane aux efforts de développement socio-économique des États de l'Afrique de l'Ouest ». Donc, dans le thème, nous avons déjà un certain nombre d'éléments, de sous-thèmes qui se dégagent. Nous avons l'islam, puisque nous parlons de jeunesse musulmane. Nous parlons de jeunesse. Nous parlons de développement socio-économique. Et nous parlons d'un espace qui est l'Afrique de l'Ouest. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il serait important d'abord de parler de l'islam. Il faudrait donc faire un rappel de ce que veut dire l'islam. Cela est d'autant plus important qu'aujourd'hui, des amalgames sont diffusés, des amalgames sont propagés à travers les médias contre l'islam, ou en tout cas sur ce que l'islam signifie véritablement. C'est pourquoi ce rappel est important. Eh bien, comme nous avons l'habitude de le dire en présentant l'islam,
Nous savons que l'islam a été défini de plusieurs angles, de plusieurs points d'observation. Il y a d'abord l'islam en tant que loi universelle, la loi universelle de la soumission, qui s'impose à toute créature en dehors de Dieu subhanahu wa ta'ala, le Créateur suprême. Où tout ce qui n'est pas le Créateur est donc créature, de l'infiniment petit à l'infiniment grand. C'est-à-dire depuis ce qui se passe à l'intérieur de la cellule ou à l'intérieur de l'atome, jusqu'à ce qui se passe au niveau des galaxies et au niveau des différents systèmes, tout est soumis à Dieu, de gré ou de force. Et nous savons également que cela s'applique à tout ce qui existe dans l'ici-bas comme dans l'au-delà. Le monde d'ici-bas est soumis à Dieu, le monde de l'au-delà, le paradis, l'enfer, etc., tout est également soumis de gré ou de force à Dieu. Nous savons également que tout ce qui est donc en dehors de Dieu subhanahu wa ta'ala procède justement de cette soumission universelle qui est le sens premier du mot islam. Islam qui veut dire soumission. Ça, c'est lorsque nous définissons la religion de l'islam ou l'islam tout simplement dans son sens le plus général, le plus large du terme. Si nous voulons particulariser le sens d'islam, nous pourrons arriver à un deuxième degré de définition de l'islam. C'est donc la religion naturelle et universelle qui a été prêchée par tous les messagers de Dieu à travers les âges, depuis le premier homme Adam jusqu'à l'ultime prophète qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Là aussi, on a une autre définition ou un autre niveau de définition de l'islam qui est donc la religion prêchée par l'ensemble des prophètes. La première définition ou le premier niveau de définition où tout est soumis à Dieu s'illustre dans le Coran. Dieu nous a dit dans le verset du Coran, notamment celui dans lequel Dieu nous dit que lorsqu'il a créé les cieux et la terre, Dieu a dit aux cieux et à la terre de se placer à un endroit précis dans le cosmos. Et Dieu leur a dit de gré ou de force. Taw'an aw karha, Dieu leur a dit, les cieux et la terre. Les cieux et la terre ont répondu à Dieu, Atayna ta'i. Nous venons vers toi, nous nous installons là où tu nous as demandé de nous installer, plutôt de gré, ô notre Seigneur. C'est un verset du Coran qui nous le dit, donc en nous parlant justement de la soumission de toutes choses à la volonté de Dieu, subhanahu wa ta'ala, de gré ou de force. Le deuxième niveau de définition également nous est illustré par le Coran et par les traditions du prophète alayhi salatu wa salam, où Dieu nous dit dans plusieurs versets, notamment celui dans lequel Dieu dit wa in min ummatin illa khala fiha nadhir, il n'existe pas une communauté humaine qui n'ait connu d'avertisseur. Sans compter tous ces prophètes qui viennent, qui disent que nous sommes musulmans ou que nous venons prêcher l'islam. Le troisième niveau de définition de l'islam, c'est ce qui nous concerne aujourd'hui, qui nous concerne donc depuis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en l'an 610 de l'ère grégorienne, a été envoyé à l'humanité comme messager de Dieu, ultime messager. Et depuis ce jour-là, l'humanité tout entière, tous les humains et tous les djinns sont appelés à répondre à l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de se soumettre à Dieu, de cette troisième forme de soumission ou de ce troisième niveau de soumission qui est la forme parachevée de la soumission, c'est-à-dire de l'islam. Et dans cette définition où il nous a demandé de nous soumettre,
là nous avons cela répartit les êtres humains en deux catégories de personnes. La première catégorie, c'est la catégorie de l'ensemble. Et la deuxième catégorie, c'est la catégorie de la partie. Donc, ensemble et partie, ou bien ensemble et sous-ensemble. L'ensemble, c'est ce que les oulémas ont appelé « Ummatu Tabligh ». La Ummah, la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est concernée ou qui est couverte par l'appel que le prophète alayhi salatu salam a lancé en direction de tous les humains et de tous les djinns depuis l'an 610 jusqu'à l'Apocalypse, jusqu'à la fin des temps. Ça, c'est l'ensemble qui est concerné par le message du prophète alayhi salatu salam. Et tous les membres de cette communauté, de cet ensemble de personnes, que ce soit ceux qui ont répondu favorablement ou ceux qui n'ont pas répondu favorablement à l'appel du prophète, alayhi salatu wassalam, parmi les humains et les djinns, tous seront interrogés le jour des comptes sur la réponse qu'ils ont réservée à l'appel du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cela nous amène au sous-ensemble. Le sous-ensemble, c'est celui-là qui a répondu favorablement à l'appel de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'on appelle, que les oulémas ont appelé Ummatul Ijaba, la communauté qui a répondu favorablement à l'appel du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam depuis l'an 610 jusqu'à l'Apocalypse. Alors, l'islam donc, dans sa dernière acception, qui est donc celui-là qui a été révélé sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qui a été enseigné aux humains et aux djinns, parce que ne l'oublions pas, quand vous parcourez le Coran, vous vous rendrez compte qu'effectivement le prophète alayhi salatu salam s'adresse aux humains et il s'adresse aux djinns. Et il y a plusieurs versets du Coran qui nous en parlent. Il y a même une sourate, vous le savez, qui s'appelle la sourate des djinns. La sourate précisément où, entre autres, il est dit que les djinns, le peuple, la communauté des djinns a entendu le message qui a été enseigné par le prophète, qui a été révélé sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et cette communauté a répondu. Parmi elles, il y en a qui ont cru et d'autres qui ne l'ont pas fait, exactement comme ce qui s'est passé chez les humains. Donc, c'est cela, si vous voulez, les différents niveaux de définition de l'islam. Mais il y a une question à laquelle également il faut répondre lorsque nous définissons ou lorsque nous parlons de l'islam. Qu'est-ce que l'islam a apporté à l'humanité? Quelle est l'importance de l'islam pour les humains? Pourquoi l'islam a été révélé? Pourquoi il est enseigné? Pourquoi il est important d'amener les humains à découvrir ou à redécouvrir le message de l'islam? Pourquoi donc il faut entretenir ce message? Il faut le diffuser, il faut le faire connaître, il faut y croire, il faut le vivre. Eh bien, tout simplement parce que l'être humain, par définition, ne peut pas vivre sans Dieu, ne peut pas se passer de Dieu. L'être humain, d'ailleurs, comme toutes les créatures, il n'y a pas une créature qui peut se passer de Dieu, même de l'espace d'une fraction de seconde. C'est pourquoi le prophète alayhi salatu salam, dans ses prières, aimait dire Allahumma la takilni ila nafsi tarfat aini. Dieu, je te demande de ne pas faire en sorte que je dépende de moi-même, même de l'espace d'un clin d'œil. Parce qu'on ne peut pas se passer de Dieu. Imaginez-vous cette atmosphère. Tout à l'heure, j'ai vu ce matin une émission sur notre planète, sur les enveloppes, les sept enveloppes ou les sept parties de l'atmosphère qui entourent la planète.
Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais quand vous regardez l'enveloppe dont Dieu subhanahu wa ta'ala a enveloppé la terre sur laquelle nous vivons, une enveloppe invisible que les savants aujourd'hui ont pu, que la science, la technologie a pu aujourd'hui découvrir, cette couche qui se superpose, qui constitue cette enveloppe qui nous entoure, nous qui sommes sur la terre, et qui filtre ou qui nous protège de tout ce qui vient d'ailleurs pour venir descendre sur la terre, y compris les rayons solaires, etc., qui sont filtrés pour que nous puissions être épargnés de tout mal. Et quand j'ai vu l'émission, je me suis souvenu de ce verset du Coran qui se trouve dans le sourate Ar-Ra'd, dans lequel Dieu nous dit en parlant justement de la protection que Dieu subhanahu wa ta'ala fait des êtres humains, lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Dieu subhanahu wa ta'ala, qui a affecté à chaque être humain des gardes-corps parmi les anges. Chacun de nous aujourd'hui, nous sommes, même si nous sommes 1000, 2000, 3000 personnes ici dans la salle, nous avons une armée de gardes-corps qui nous entoure à gauche, à droite, de partout, qui nous protège par la permission de Dieu. Contre quoi? Min amrillah. Contre le décret de Dieu. Donc, Dieu, le décret de Dieu qui nous protège contre le décret de Dieu. Exactement comme Omar ibn Khattab a le dit lorsqu'il y avait une épidémie de peste et qu'il avait dit qu'il fallait se protéger, il fallait que les populations qui ne sont pas affectées soient mises de côté, etc. Il y a quelqu'un parmi ses compagnons qui a dit « Amir al-Mu'mini, comment voulez-vous que nous fuyons le décret de Dieu ?» N'est-ce pas le destin, ce que Dieu a prédit? Omar ibn Khattab, qui est sorti de l'école du prophète alayhi salatu wasalam, qui connaît la nuance qui existe entre at-tawakkul et at-tawakkul, entre l'exploitation de la loi de la causalité d'une part et le fatalisme d'autre part. Il a répondu nafirru min qadarillahi ila qadarillah. En fait, il s'agit de fuir le décret de Dieu pour aller nous réfugier dans un autre décret de Dieu. Subhanahu wa ta'ala. Donc, si nous prenons seulement cet aspect, cette protection divine dans laquelle nous baignons, 24 heures sur 24, cette protection qui fait que les météorites ou tout ce qui vient d'autres espaces qui sont censés venir tomber sur la terre, eh bien, Dieu subhanahu wa ta'ala a mis des paravents qui filtrent tout ce qui vient vers la terre et qui nous protègent. Sans compter l'atmosphère, l'oxygène, etc. Bref, ça c'est autant donc de bienfaits de Dieu subhanahu wa ta'ala dans lesquels nous sommes en train de vivre tous les jours. Alors, donc, l'islam est ce bienfait de Dieu que Dieu nous a apporté. C'est pourquoi je disais que, en répondant à la question de savoir pourquoi nous avons besoin de l'islam, eh bien, c'est parce que nous avons besoin de Dieu. Nous ne pouvons pas nous passer de Dieu, même de l'espace d'une fraction de seconde. Et justement, pour avoir Dieu, on ne peut pas aller vers Dieu sans le chemin que Dieu nous a indiqué. Le chemin que Dieu nous a indiqué pour aller vers Dieu, pour atteindre Dieu, pour recevoir le message de Dieu, pour parler à Dieu, pour que Dieu nous parle. Exactement comme le prophète Ali, comme les ulémas de l'islam ont dit, si vous voulez parler à Dieu, lisez le Coran, et si vous voulez que Dieu vous parle, lisez le Coran. Donc, la voie par laquelle nous accédons à Dieu subhanahu wa ta'ala, c'est la voie qui est autorisée, c'est la voie des messagers de Dieu.
Parce que l'être humain, les capacités de l'être humain ne peuvent pas lui permettre d'atteindre Dieu. Je ne veux pas rentrer dans ces détails-là. C'est des choses qui sont connues. Donc nous avons besoin de Dieu. Et puisque il y a une seule voie pour atteindre Dieu, c'est la voie des prophètes, eh bien aujourd'hui, il est de notoriété publique. Il est connu. Vous pouvez lire le Coran, vous référez au Coran pour cela. Pour atteindre de l'idolâtrie, l'idolâtrie moderne, qui est le fait de s'adorer soi-même, le fait d'adorer la matière, d'adorer le bien matériel, d'adorer l'être humain. Toutes les religions aujourd'hui ont reculé devant le déferlement du matérialisme, à l'exception de l'islam. Et si l'islam a résisté à cela, ce n'est pas à cause des musulmans, ce n'est pas les musulmans qui en sont les auteurs, et bien c'est Dieu subhanahu wa ta'ala lui-même qui dans sa grâce infinie a décidé que les êtres humains continuent de bénéficier de sa protection et de cette corde dont ils ont besoin, cette corde qui les lie à Dieu subhanahu wa ta'ala, dont Dieu nous a parlé dans le Coran. Alors, donc, et deuxièmement, parce que Dieu a pris l'engagement de protéger cette corde qui est le Coran. Ainsi donc, nous avons besoin de Dieu. Il y a mille et une choses à dire par rapport à cette question. Notre relation avec Dieu, le besoin infini que nous avons d'être avec Dieu, d'accéder à Dieu, de bénéficier de la miséricorde de Dieu dans ce que nous faisons tous les jours. Vous regardez tout simplement les sociétés qui n'ont pas Dieu et comparez-les un peu à ce qui se passe dans les sociétés croyantes. Vous allez voir une très grande différence. Aujourd'hui, nous le savons, l'humanité, en tout cas là où on ne parle pas de Dieu, là où on a évacué la foi en Dieu des préoccupations de la société, eh bien ces sociétés sont en train d'aller à une vitesse vertigineuse vers leur perte. Aujourd'hui, nous voyons que de plus en plus dans les sociétés, on est en train de légaliser aujourd'hui, par exemple, une turpitude que vous connaissez, qui est l'homosexualité. En lui donnant le nom que vous connaissez, on l'appelle le mariage pour tous, pour l'embellir, mais ça ne peut pas être le mariage pour tous, c'est le mariage homosexuel, tout simplement. Et dans ces sociétés, on n'a même pas le droit de critiquer de telles pratiques. Tellement les gens sont aujourd'hui, ont adhéré majoritairement à une telle option. Au point que même si on fait un plébiscite, on fait un vote, une majorité de la population va se dégager pour soutenir l'homosexualité. Alors c'est parce que ces gens-là ont refusé Dieu, ils ont évacué Dieu. Et voilà, donc ils ont... Et Dieu l'a dit dans le Coran, « وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتي فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. Donc les gens qui se détournent du rappel de Dieu, du souvenir de Dieu, Dieu les a décrits dans le Coran il y a 14 siècles. Quiconque se détourne de mon rappel et de mon souvenir, eh bien je lui affecte ou je lui colle ou je lui donne une vie de stress et de mélancolie. C'est le stress aujourd'hui, vous le savez, qui est prépondérant dans ces sociétés. Donc la personne va vivre une vie de malheur dans ce monde. Même s'ils ont tout ce qu'il faut, développement matériel, ils ont tout ce qu'il faut. Les avions sont là, les distances ont été réduites, la climatisation est là, la technologie est là, l'information, les soins de santé. Tout a été développé sur le plan matériel pour mettre dans les bonnes conditions la moitié matérielle de l'être humain. Mais en oubliant la moitié spirituelle de l'être humain. Donc c'est ce déséquilibre-là qui prévaut dans de telles sociétés. Mais le grand problème, c'est que ces gens-là veulent imposer leur modèle de société à ceux qui ont décidé, à ceux qui ont choisi justement de vivre avec Dieu subhanahu wa ta'ala et de privilégier la moitié spirituelle de l'être humain. Ça, c'est un long sujet sur lequel on va s'étendre indéfiniment. Quand il faut parler de la nécessité pour l'être humain d'avoir Dieu, d'être avec Dieu. Donc c'est l'islam qui nous apporte cela. L'islam est aujourd'hui
il faut le dire et ne pas avoir honte de le dire. L'islam est la seule religion aujourd'hui qui nous permet véritablement d'accéder à Dieu, au vrai Dieu, le Seigneur des mondes, à lui seul. Loin de tout associationnisme, loin de tout polythéisme et de toute autre considération. Donc c'est l'islam qui nous permet d'avoir Dieu. Alors, nous avons parlé de jeunesse musulmane. Donc c'est la jeunesse qui adhère à cette vision de la vie, qui est que l'être humain ne peut pas vivre détaché de Dieu. C'est de cette jeunesse qu'il s'agit. La contribution d'une telle jeunesse, exactement comme le Coran nous l'a dit, إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شطط. C'est de cette jeunesse qu'il s'agit. فتية آمنوا بربهم. La jeunesse qui a cru en Dieu subhanahu wa ta'ala, qui a porté dans son cœur la foi en Dieu. Et Dieu les a élevés vers lui en renforçant leur guidance vers lui. C'est de cette jeunesse qu'il s'agit. La jeunesse donc qui a souci d'être avec Dieu subhanahu wa ta'ala. Et de cette jeunesse, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé, le Coran également nous a parlé. Je viens de vous lire un verset du Coran dans Sourate Al-Kahf. Fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. Donc des jeunes qui ont cru en Dieu, qui ont décidé de suivre la voie de Dieu subhanahu wa ta'ala et de s'éloigner de tout acte qui les éloigne de Dieu subhanahu wa ta'ala. À propos de tels jeunes, le prophète a dit alayhi salatu wa salam que ce jeune figure parmi les 7 catégories de personnes qui bénéficient de l'ombre de Dieu le jour des comptes. Le jour où il n'y a pas d'autre ombre que l'ombre de Dieu. Shabun nasha'a fi ibadatillah. Un jeune qui a consacré sa jeunesse à l'adoration du Dieu unique sans associé, qui a vécu dans cette voie, qui a grandi dans cette voie et qui a évolué dans cette voie jusqu'à rencontrer Dieu subhanahu wa ta'ala. Et justement, en parlant de ces jeunes-là, cela nous renvoie au prophète alayhi salatu wa salam, à l'école du prophète alayhi salatu wa salam, cette école qui a sorti des jeunes qui ont été formés à la lumière et avec les soins du prophète alayhi salatu wa salam pour être les porte-flambeaux de la mission prophétique après le prophète alayhi salatu wa salam. Donc des jeunes qui ont été formés, qui ont été responsabilisés. Et pour vous donner une idée du travail que le prophète a fait alayhi salatu wa salam en direction de ces jeunes, je vous donne des exemples, quelques exemples. Prenez l'exemple d'Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu, qui a vécu autour du prophète alayhi salatu wassalam. Quand vous regardez le hadith dans lequel on vous dit qu'un jour le prophète était assis alayhi salatu wassalam, à sa droite il y avait un enfant, un jeune, et de l'autre côté il y avait des gens qui étaient âgés. Le prophète alayhi salatu lui a apporté à boire, quelque chose à boire. Le prophète alayhi salatu wassalam a bu et ensuite il devait passer le récipient qui contenait cette boisson, ça peut être du lait, ça peut être de l'eau, aux gens qui étaient autour de lui. Et les gens aimaient boire après dans le même récipient que le prophète alayhi salatu salam pour bénéficier de ses bénédictions. Donc, selon la sunna du prophète alayhi salatu salam, le prophète alayhi salatu salam commence par la droite. Or, il se trouve qu'à partir à sa droite immédiate, il y avait un enfant. Alors, il y avait des gens plus âgés. Le prophète a dit, alayhi salatu salam, pour vous dire, c'est ça, c'est un fait qui a été rapporté pour nous dire un peu dans quel esprit le prophète, alayhi salatu salam, a élevé ces jeunes-là autour de lui. Le prophète a dit aux jeunes, à l'enfant qui était à côté de lui, alors,
je demande ta permission, puisque c'est son droit, à droite, c'est lui qui doit prendre la boisson. Je demande ta permission pour que les gens qui sont plus âgés que toi, qui sont là, commencent avant toi. Le prophète, le jeune a dit au prophète, ou l'enfant a dit au prophète, alayhi salatu salam, je jure que je ne donnerai en ce qui te concerne, pour ceux qui m'approchent de toi, je ne donnerai, je ne céderai mon droit et ma part à personne. Donc l'enfant a refusé que quelqu'un boive avant lui, parce que c'est son droit, pour pouvoir bénéficier justement de la proximité du prophète alayhi salatu salam et de la bénédiction du prophète alayhi salatu salam. Et à la fin des hadiths, on identifie l'enfant, on trouve que c'est Abdullah ibn Abbas. Et c'est Abdullah ibn Abbas, il y en a d'autres. Ça, on sait ce qu'il est devenu plus tard. Abdullah ibn Abbas, il est resté donc à côté du prophète alayhi salatu wassalam. Et le prophète, il a bénéficié des bénédictions prophétiques, des lumières prophétiques, au point qu'il est devenu l'expert numéro un en matière de connaissance d'exégèse du Coran. Le prophète alayhi salatu wassalam a prié pour lui et il est devenu la première référence en matière d'exégèse du Coran dans l'histoire de la Ummah islamique. Ça, c'est sur le plan scientifique, sur le plan intellectuel, sur le plan de la connaissance. Parmi les gens que le prophète a formés, vous connaissez Oussama ibn Zayd. Oussama ibn Zayd, il était jeune, il avait autour de 25 ans ou moins, lorsque le prophète alayhi salatu wassalam, pendant les derniers jours de sa vie, a décidé de mettre en place justement cette armée qui allait combattre les Byzantins dans la zone de Mouta. Et un jeune de 25 ans, le prophète alayhi salatu wassalam a fait de lui le commandant en chef des armées, des forces armées qui allaient mener la bataille de Mouta, alors qu'il y avait des gens qui étaient plus âgés que lui parmi les grands compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, parce que justement il était à hauteur de la mission et de la tâche. Bref, le prophète alayhi salatu wassalam est un exemple, est un modèle pour nous en termes de ce qu'on appelle l'autonomisation des jeunes. Le prophète a autonomisé les jeunes, et ça c'est sa tradition, mais vous trouverez la même chose dans le Coran. Dans le Coran, on nous parle de jeunes. Je viens de vous lire le verset des sept dormants dans Sourate Al-Kahf, ces jeunes-là qui ont décidé justement de prendre le chemin de Dieu subhanahu wa ta'ala. Mais vous avez d'autres exemples. Vous avez le prophète Yusuf alayhi salam, qui est un modèle de niveau inégalé, justement qui nous est cité. Nous avons vu le début, nous pouvons suivre le cheminement du prophète Yusuf jusqu'à sa consécration, jusqu'à la victoire finale qui lui a été donnée, du fait justement qu'il ait choisi le chemin de Dieu. Au point que vers la fin, il a eu le degré que vous connaissez. Vous savez que en islam, la sincérité est l'une des deux conditions sine qua non pour que une action, un acte cultuel soit exaucé par Dieu subhanahu wa ta'ala. Vous le savez, il y a deux conditions sine qua non. La première condition, c'est la sincérité vis-à-vis de Dieu, l'ikhlas, que Dieu nous l'accorde dans tout ce que nous faisons, ya Rabbi. La deuxième condition, c'est la conformité de l'acte cultuel avec la pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la sincérité s'appelle al-ikhlas, vous le savez, en arabe. Et la personne qui est sincère, on l'appelle al-mukhlis. Remarquez bien la prononciation du mot, mukhlis. C'est le lam avec kasra. C'est L avec I, mukhlis. Eh bien, le prophète Yusuf alayhi salam a atteint un autre degré dans la sincérité qu'on appelle al-mukhlas avec A, avec fatha. Innahu min ibadina al-mukhlasim. Et qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la différence entre mukhlis et mukhlas? Imaginez-vous. Ismu maf'oul et ismu fa'il en arabe. Al-mukhlis, qui est sincère. Al-mukhlas, qui veut dire sincère.
Mais il y a la nuance dans la langue arabe, puisque la langue arabe est plus riche, plus éloquente que les autres langues. En français, ça se traduira toujours par sincère, mais en arabe, c'est mukhlis et mukhlas. Mukhlas est un niveau plus élevé que mukhlis, parce que mukhlis, la sincérité vient de la personne qui est sincère. C'est la personne qui est sincère qui fait des efforts pour être sincère. Alors mukhlas, c'est Dieu qui fait le travail. C'est ça la différence. Quand vous atteignez le niveau de mukhlas, ça veut dire en ce moment-là que vous resterez toujours sincère parce que c'est Dieu qui vous rend sincère et qui vous maintient dans la voie de la sincérité. C'est Dieu qui vous travaille. Et ça, c'est le degré que le prophète Youssouf a atteint justement par le cheminement qu'il a suivi. Et dans ce cheminement, vous avez vu le travail. Alors, cela nous amène donc ensuite au rôle, la contribution justement de la jeunesse dans le développement, dans les efforts de développement développement socio-économique en Afrique de l'Ouest. Eh bien, la jeunesse a un rôle incontournable dans le développement tout court de nos sociétés. La jeunesse musulmane et en Afrique de l'Ouest, la jeunesse est majoritairement musulmane. Et il est important de préciser que l'Afrique de l'Ouest, puisque c'est sur ce terrain qu'il est demandé de faire le travail, d'apporter la contribution dont il est question ici, vous savez que l'Afrique de l'Ouest est un espace islamique, d'une manière générale. Un espace qui a été islamisé depuis plus de 1000 ans. Là où nous sommes ici au Niger, on sait que l'islam est apparu dans l'espace du Niger pour la première fois dès les premières années. On a fixé la date de l'an 33, l'an 666 de l'ère grégorienne. Ça veut dire 33 ans après la mort du prophète alayhi salatu wassalam. Dès le premier siècle de l'Égypte, l'islam était déjà dans cet espace. Et le premier siècle de l'Égypte à nos jours, ça fait 14 siècles. Nous sommes déjà au 15e siècle de l'ère égyptienne. C'est un espace donc islamique et islamisé. On ne peut pas développer, on ne peut pas concevoir un développement socio-économique dans cet espace sans tenir compte de la donne culturelle et civilisationnelle de l'islam. Donc ce n'est pas le lieu ici de nous étendre sur l'islamisation de l'Afrique, de l'espace ouest africain, de tous ces empires qui se sont succédés depuis l'empire du Ghana jusqu'aux empires qui ont résisté à la pénétration coloniale, que ce soit l'empire Peul du Massina, l'empire Tukulair, l'empire de Sokoto, le Kanem Borno, etc. Ce n'est pas le lieu d'en parler. Depuis donc la conception des premiers empires, l'empire du Ghana, en passant par les Almoravides, les Almohades, l'empire du Mali, l'empire Tukulair, etc., jusqu'à la pénétration coloniale, jusqu'aux indépendances. Ce n'est pas le lieu de le dire. Donc c'est un espace islamisé, nous le savons, nous en sommes tous conscients. Pour qu'un espace se développe, on doit nécessairement tenir compte de la culture, des réalités culturelles, des réalités civilisationnelles de cet espace. Au passage, on sait par exemple que les pays asiatiques aujourd'hui, qu'on appelle les tigres asiatiques, qui se sont développés, un pays comme la Corée par exemple, la Corée du Sud, qui est aujourd'hui une puissance économique. Et les autres tigres qui sont en gestation, ou en tout cas même qui ont commencé leur développement, tels que Singapour, tels que la Malaisie, etc., ce sont tous des espaces qui se sont développés en se basant sur les réalités socio-culturelles, comme par exemple la langue, comme par exemple la culture, etc. Alors, donc, il est important pour nous, et c'est pourquoi je dis que la jeunesse musulmane a un rôle incontournable dans le développement socio-économique de notre espace. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que sans la participation effective, sans la contribution de la jeunesse musulmane de l'Afrique de l'Ouest au développement socio-économique
de cet espace, il n'y aura pas de développement véritable. Et pour qu'il y ait une contribution de cette jeunesse, il faut que la jeunesse soit formée, que la jeunesse soit sensibilisée, que la jeunesse soit encadrée, que la jeunesse soit orientée, en tenant compte évidemment de ces réalités socioculturelles. C'est la raison pour laquelle donc il est important pour notre jeunesse musulmane de notre espace de l'Afrique de l'Ouest de se préparer pour jouer son rôle, pour assumer ses responsabilités. Parce que cette jeunesse, vous qui êtes là devant moi, que je regarde et qui me regarde, vous êtes les responsables de cet espace demain, Inch'Allah. Vous avez une lourde responsabilité qui vous attend. Une responsabilité de changer, de transformer, de développer votre espace. Et vous le savez tout comme moi, personne d'autre ne le fera à votre place. Quiconque viendra d'un autre espace pour chercher à avoir une quelconque relation avec cet espace-là, qui viendrait d'autres pays, c'est sûr et certain que sans votre coopération, sans votre vigilance, sans votre action, sans votre responsabilité, ce sont des gens qui viendront tout simplement exploiter la zone et repartir. Comme nous avons vu le cas depuis aujourd'hui, deux siècles. Les autres, quand ils viennent ici, ils viennent nous exploiter et repartir. Eh bien, tant que nous ne nous formerons pas, tant que cette jeunesse-là ne prend pas ses responsabilités, et le travail se fait aujourd'hui, alors qu'on est jeune, alors qu'on est encore malléable, alors qu'on est encore sur les bancs de l'école, c'est aujourd'hui que le travail doit se faire. Et pour cela, en tout cas du point de vue de l'islam, puisque nous parlons de la jeunesse musulmane, il est important de préciser que l'islam a arrêté des stratégies pour le développement. Et le premier élément de ces stratégies, c'est la recherche du savoir. Vous le savez, vous l'avez deviné, c'est bien cela. L'islam a mis un accent particulier sur la recherche du savoir. D'abord en exaltant le savoir, la première exaltation qui a été faite du savoir, vous le savez, je n'ai pas besoin de vous le dire, quand vous, dès que vous lisez le Coran, vous le verrez, le premier verset, ou la première sourate qui a été révélée, dont le premier verset qui a été révélé dans le Coran, c'est ce verset qui invite le prophète, alayhi salatu wassalam, à lire et à rechercher le savoir. Alors que vous le savez, le prophète était analphabète. Il était analphabète non pas parce que il faut exalter l'analphabétisme, mais parce que justement l'analphabétisme du prophète alayhi salatu wassalam a une particularité extrêmement importante, c'est justement de démontrer aux yeux de tous que le Coran, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas l'auteur du Coran, mais que le Coran est venu de l'omniscient qui est donc Dieu subhanahu wa ta'ala. Donc première des choses, c'est la recherche du savoir. C'est ce qui permet justement de construire notre jeunesse. Il faut la formation et nous allons mettre justement un accent particulier sur la nécessité pour les jeunes de se former, de rechercher le savoir, d'être assidus dans ce domaine-là. Et il est important à ce propos de préciser une chose. C'est qu'en islam, il n'y a pas de science religieuse ou de science profane. Référez-vous aux savants musulmans. Lorsque l'islam, lorsque les musulmans, lorsque la civilisation islamique était à l'avant-garde du développement dans le monde, les savants musulmans étaient des ascètes, c'est-à-dire des gens qui adoraient Dieu de nuit, qui jeûnaient la journée et qui étaient également des champions dans les laboratoires de recherche. Vous trouverez quelqu'un qui est en même temps un spécialiste du droit islamique et en même temps qui est un médecin ou bien qui est un botanicien ou qui est un opticien ou un physicien ou un chimiste. Voyez-vous, donc il n'y a pas de savoir profane et de savoir religieux, de savoir non profane.
En islam, il faut rechercher le savoir tout court. La formation des médecins, la formation des ingénieurs, la maîtrise des sciences et des techniques, tout cela peut être en islam un acte cultuel. C'est l'intention seulement qui fait d'un acte ou d'une de la recherche d'un savoir donné, d'une spécialisation donnée, quelque chose de religieux, de cultuel ou de non cultuel. Lorsque vous êtes médecin et que votre objectif donc c'est d'acquérir le savoir et de pouvoir soigner, de pouvoir vous occuper de vos co-religionnaires, de vos compatriotes, de vos concitoyens, eh bien, ce savoir-là, il est utile et vous en serez récompensé en tant que tel le jour des comptes. Voyez-vous? Donc, il est important pour nos jeunes de rechercher le savoir et de s'organiser. Il est également important pour les jeunes musulmans, et ça c'est fondamental à mon sens, de lorsque vous allez vous spécialiser dans le domaine de la recherche du savoir académique, dans les universités et autres, il est extrêmement important pour nos jeunes d'acquérir le savoir de l'enseignement de l'islam en tant que pratique, en tant que pratique culturelle. Voyez-vous, l'éducation de la jeunesse à travers les structures islamiques, cette organisation, comme par exemple l'organisation qui est l'OGMAO, il est important pour vous donc de renforcer cette organisation et de faire en sorte que vous puissiez créer même des sous-structures. Il y a des réflexions évidemment à donner certainement plus tard, Inch'Allah, aux responsables de la jeunesse sur la manière justement de renforcer l'organisation de ces structures islamiques qui permettent justement de former les jeunes musulmans qui vont assumer les responsabilités de la Ummah demain. Et en cela, vous le savez, c'est la connaissance justement des enseignements de l'islam qui permet de savoir véritablement quelle est la voie à suivre dans la pratique de l'islam. Je vous donne un exemple important qui est que le problème de la violence, par exemple. Vous savez que la religion de l'islam est une religion de paix. Le prophète alayhi salatu salam a passé 23 années à la Mecque en train de prêcher dans la paix et dans la quiétude, appeler les gens vers l'islam. Et pourtant, le prophète et ses compagnons étaient persécutés. Ils étaient tellement persécutés que le prophète a perdu même des membres de sa famille dans la persécution. Le prophète a perdu, alayhi salatu wasalam, un certain nombre de ses compagnons. Et le prophète a été obligé, alayhi salatu wasalam, de demander à une partie de ses compagnons d'aller se réfugier, par exemple, en Abyssinie. Et pourtant, le prophète, alayhi salatu wasalam, n'a jamais répondu à cette violence, à cette persécution, par la violence ou par la persécution. Jusqu'à ce que Dieu l'a autorisé à émigrer de la Mecque pour aller à Médine. Et même à Médine, le prophète alayhi salatu wasalam a continué à prêcher de la même manière à travers. Parce que l'objectif du message de l'islam, l'objectif de l'islam, c'est la transmission du message. Et la transmission du message, l'islam n'a pas peur de l'argumentation pour transmettre son message. Pour une raison très simple, la raison que j'ai évoquée plus haut en définissant l'islam, parce que l'islam c'est la religion naturelle, l'inéité première qui est conforme au bon sens humain. Lorsque vous expliquez le message de l'islam aux gens, les gens qui sont doués de bon sens, parce que nous avons dit qu'il y a une disposition naturelle de l'être humain à aller vers Dieu, parce que c'est lui-même, c'est l'être, son être qui le demande, qui réclame Dieu. Donc quand l'islam est bien expliqué avec la pédagogie qu'il faut, eh bien les gens accèdent au message de l'islam, et cela en particulier aujourd'hui où le matériel a pris le pas sur la spiritualité, où les êtres humains sont devenus malheureux du fait de leur éloignement du divin, d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il est important que les musulmans, en particulier les jeunes, s'approprient ces caractéristiques de l'islam qui sont les caractéristiques de la tolérance, les caractéristiques de la paix, les caractéristiques du partage, les caractéristiques de la compassion. Parce que
ce sont les caractéristiques des prophètes, parmi les qualités des prophètes qu'on a citées. Parce que vous le savez, les prophètes, leur rôle premier, ils ont été envoyés aux êtres humains pour venir réformer les sociétés. Pour venir réformer les sociétés, pour combattre la corruption, pour combattre le mal. Mais ils viennent le combattre non pas en tuant ou en frappant ou en violentant les gens, mais ils viennent par la persuasion, par le discours, par la pédagogie, par la compréhension, par l'ouverture, par la tolérance, par la compassion. L'une des caractéristiques fondamentales des prophètes, c'est ce qu'on appelle Rahma. Ils ont pitié des gens qu'ils appellent vers Dieu. Quand vous trouvez quelqu'un qui est égaré, qui n'est pas dans la voie de Dieu, qui est avec le démon, un alcoolique qui est dans sa boue, dans son alcool, un drogué qui est dans sa drogue, un fornicateur qui est dans sa fornication, ce sont des gens qui font pitié, auxquels nous devons justement manifester la pitié et la compassion. Utiliser l'effort qu'il faut pour les amener à sortir de l'emprise du démon, parce qu'ils sont prisonniers du démon. Trouver la pédagogie appropriée pour les arracher des griffes du démon et les ramener à la lumière de Dieu. C'est la raison pour laquelle le prophète alayhi salatu wasalam avait dit une fois à quelqu'un qui avait bu l'alcool que les gens étaient venus lapider en jetant la personne et en invoquant la malédiction de Dieu contre cet alcoolique. Le prophète leur a dit alayhi salatu wasalam, attention, n'aidez pas le démon contre votre frère. Voyez-vous? Donc il est important pour les jeunes, surtout dans les circonstances que nous connaissons aujourd'hui. Aujourd'hui, il est important de le souligner. Et ça, c'est une contribution importante de la jeunesse musulmane au développement socio-économique de nos sociétés. Après l'acquisition du savoir, de la découverte de l'islam, dans ses différentes composantes, dans ses différents éléments, dans ses différentes dimensions, il est important pour la jeunesse musulmane de projeter cette image véritable de l'islam, l'image qui a été véhiculée, qui a été enseignée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que nous le savons, il y a des conspirations qui sont ourdies par les défenseurs du démon, par les adeptes du démon, contre la lumière de l'islam. Vous savez que le démon a pris l'engagement, il a fait des promesses fermes d'utiliser tous les stratagèmes possibles, tous les subterfuges qui seront à sa disposition pour amener l'être humain à dévier de la voie de Dieu subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, il y a des milieux, il y a des adeptes du démon qui ont des moyens, qui utilisent la technologie, qui utilisent les médias, qui utilisent les moyens financiers pour dénigrer l'islam, pour travestir l'image de l'islam, pour projeter une image qui n'est pas du tout authentique de l'islam. Imaginez-vous l'islam qui est paix. Aujourd'hui, est projeté par ces milieux-là comme une religion de violence, une religion de barbarie, etc. Imaginez-vous que l'islam qui veut dire lumière, aujourd'hui, il y a ces milieux-là qui essaient de coller à l'islam l'image de ténèbres. Exactement le contraire de ce que l'islam est. Donc, c'est votre rôle, c'est votre mission, c'est votre responsabilité. D'abord, de découvrir le message authentique de l'islam. Tel qu'il a été révélé et enseigné. Révélé sur le prophète et enseigné par le prophète, alayhi salatu wasalam. L'image de cet islam libérateur de l'être humain. Libérateur de l'être humain dans sa moitié matérielle comme dans sa moitié spirituelle. L'islam est venu libérer l'être humain pour donner l'être humain à Dieu et donner Dieu à l'être humain. Et d'ailleurs, c'est un non-musulman qui a eu à le dire il y a plusieurs siècles. C'est Lamartine qui l'a dit. Donner Dieu à l'homme et l'homme à Dieu. Voilà Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cela fait partie de ses missions. Alors, donc c'est ce vrai visage de l'islam qui malheureusement aujourd'hui, dans certains milieux et parfois même dans des milieux qui se réclament de l'islam, et c'est bien dommage que les musulmans se retrouvent à la défensive, eux qui doivent se trouver à l'offensive, contre le démon, contre
tout ce qui obscurcit la voie de Dieu. Aujourd'hui, les musulmans, malheureusement, sont dans l'obligation de se justifier, de se défendre, de dire que non, nous ne sommes pas ceci, nous sommes plutôt cela. Parce qu'effectivement, il y a quelque part, chez les musulmans, un déficit en matière de relations publiques, en matière de projection du véritable visage de l'islam, qui a fait que, dans certains milieux, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui l'islamophobie. Les gens, la peur de l'islam. Les gens ont peur de l'islam parce que les musulmans ne réussissent pas, les musulmans pêchent quelque part quand ils n'arrivent pas à projeter au monde. Et pourtant, le monde qui en a besoin, qui a besoin de l'islam, je vous assure aujourd'hui que le monde a plus que jamais, dans son histoire, dans sa longue histoire, le monde a plus que jamais aujourd'hui besoin de la lumière de l'islam pour s'arracher des griffes du démon. Parce que le démon aujourd'hui a multiplié ses stratagèmes. Le démon aujourd'hui vient avec mille et une facettes pour dire que voilà la voie qu'il faut suivre. Donc c'est le démon qui embellit sa mauvaise voie aux êtres humains en vue de les conduire vers sa voie. Alors que l'islam, qui est le message de lumière, qui est la voie qui nous conduit à Dieu, qui nous conduit à notre salut, eh bien le même démon utilise d'autres stratagèmes pour projeter au monde que ça, ce n'est pas la bonne voie. Mais en réalité, le démon ne réussira pas. Nous avons la conviction que le démon ne réussira pas parce que Dieu a pris l'engagement dans le Coran de protéger la voie de l'islam, de protéger la voie qui conduit à Dieu, la voie authentique et la voie de l'islam. يريدون ليطفي نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره. Ils veulent éteindre la lumière de Dieu, mais Dieu a dit non, cette lumière ne sera pas éteinte. L'islam persistera, l'islam va prévaloir biiznillah, parce qu'il faut que l'islam existe pour le bien de l'humanité, pour le bien de l'être humain, pour que l'être humain soit véritablement un être humain. Il n'y a que l'islam. Aujourd'hui, dans nos sociétés, c'est la raison pour laquelle vous avez de très grandes responsabilités. Dans nos sociétés aujourd'hui, même les sociétés musulmanes, je ne parle pas des autres sociétés qui ont choisi de combattre Dieu, qui ont choisi de combattre la religion d'une manière générale, qui aujourd'hui sont livrées justement aux démons. Tous les maux sociaux que vous pouvez imaginer, la toxicomanie, la drogue, l'homosexualité, etc. Dans les sociétés musulmanes aujourd'hui aussi, on connaît des crises, il y a des problèmes, il y a des maux sociaux, il y a la toxicomanie, il y a le tabagisme, il y a la drogue, il y a la délinquance, il y a l'adultère, la fornication, il y a la criminalité, il y a les vols à main armée, il y a tout cela, mais il y a aussi la corruption qui ronge nos sociétés, la corruption dans son sens le plus large. Corruption des mœurs, corruption dans la gestion des deniers publics, appauvrissement, la pauvreté et la misère qui rongent nos sociétés. Il y a tous ces mots qui sont là. Et je vous jure qu'il n'y a que le message de l'islam qui peut prendre les raccourcis, permettre à l'être humain, permettre à nos sociétés de choisir les raccourcis pour solutionner tous ces problèmes. Il n'y a rien qui peut venir à bout de la corruption en dehors de la foi en Dieu. Quels que soient les subterfuges que vous utilisez, l'être humain aura toujours un contre-subterfuge pour aller dans le sens de la corruption. On ne peut pas. Il n'y a que l'autosurveillance lorsque vous savez que l'œil de Dieu est braqué sur vous et que Dieu vous demandera des comptes un jour ou un autre. Et que d'abord, avant cela, cet article de la foi musulmane, de la profession de foi, qui est la foi au jour dernier. Connaissez le sens, le jour dernier. Qu'est-ce que ça veut dire le jour dernier? Le jour où tous seront ressuscités des morts et vont comparaître devant Dieu subhanahu wa ta'ala, où Dieu demandera des comptes à chacun. Et où personne ne peut cacher quoi que ce soit.
et où personne ne sera lésé, une justice absolue, la justice de Dieu. Quand on pense à cela, et on voit que ce que vous prenez ne vous appartient pas, on vous demandera des comptes. Eh bien, il n'y a que cela, cette autosurveillance qui peut vous empêcher de toucher ce qui ne vous appartient pas. C'est ça qui peut mettre fin à la corruption. Vous prenez le cas de l'adultère et de la fornication, l'infidélité dans les foyers, qui ronge les sociétés, qui font que les maladies sexuellement transmissibles se répandent dans les sociétés. Des maladies que nos prédécesseurs n'ont pas connues, des maladies inédites. Exactement comme le prophète alayhi salam nous a dit dans son fameux hadith, que lorsque les gens s'adonnent à la turpitude, lorsque la fornication et l'adultère et les autres turpitudes comme l'homosexualité, la pédophilie et autres se répandent dans les sociétés, eh bien ces sociétés vont connaître des nouvelles maladies que les générations passées n'auront jamais connues. Eh bien, quand vous prenez ce cas, regardez la solution que l'islam a apportée. L'islam n'a pas dit, le Coran n'a pas dit, ne commettez pas l'adultère. Ce n'est pas cela que l'islam, le Coran a dit. Le Coran a dit, n'approchez pas l'adultère. C'est-à-dire, ce qui conduit à l'adultère, la porte même doit être fermée. C'est pourquoi l'islam a insisté sur la valorisation du mariage, sur la facilitation du mariage, sur la valorisation de la famille, de l'institution familiale. Et l'islam a fermé les portes, à double tour, les portes qui vont à la turpitude, à la fornication et à l'adultère. Parce qu'il y va de la santé de la société. Voilà donc les alternatives. L'islam ferme la porte du mal et l'islam ouvre les portes béantes de la voie qui conduit à la réforme des sociétés et au bien des sociétés, en leur permettant d'accéder à Dieu subhanahu wa ta'ala. Donc, il n'y a que l'islam qui peut nous aider. C'est la raison pour laquelle, ici, je voudrais profiter, avant de terminer, pour interpeller les autorités publiques, pour interpeller l'État, pour dire à l'État, pour dire aux autorités publiques, vous cherchez des solutions à la pauvreté. Il y a plusieurs programmes, programmes de lutte contre la pauvreté, etc., etc. Vous cherchez à lutter contre la corruption. Vous cherchez à lutter contre la délinquance juvénile. Vous cherchez à lutter contre toutes les jeunesses de nos régions, tous les jeunes, que ce soit les filles ou les garçons, puissent vivre dans la voie de l'islam, qu'ils vivent avec Dieu, qu'ils bénéficient des lumières de Dieu et qu'ils soient guidés sur le chemin de Dieu. Que Dieu les protège. وعلى آله وصحبه وسلم كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك لا إله إلا الله الحليم العظيم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت عليك توكلنا وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إنا نعوذ بك من شر أنفسنا ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربنا على صراط مستقيم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما عملنا ومن شر ما لم نعمل، ونعوذ بك من شر ما علمنا ومن شر ما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا في كل شر. ربنا أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، وكن لنا ولا تكن علينا، وزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، واهدنا ويسر بلادنا. يا ربنا يا الله، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر، إنك على كل شيء قدير. اللهم كن لنا مؤيدنا ونصيرا، وكن لنا رؤوفا رحيما. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم ول علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. اللهم اجعل ولايتنا فيمن خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم.